gang, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui je reviens dans un nouveau hall Shein. Donc je vais bientôt partir en vacances, mais genre bientôt. Et j'ai pris des vêtements pour aller en vacances. J'ai pris des gadgets aussi, parce que vous savez très bien que je suis fan des gadgets Shein. J'aime trop tester des nouveaux trucs, genre pour voir si la qualité elle est bonne, pour voir si je serais pas déçue, pour vous témoigner de tout ça. Donc voilà, je vais essayer tout ce que j'ai pris et je vais vous laisser un petit code promo à la fin de la vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis très satisfaite de cette commande. Elle est incroyable, surtout les vêtements. J'ai trop hâte de vous les montrer. Commençons par les vêtements. On va faire un try on haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et allons-y. Alors les filles, voici la première tenue. Même si on a dit sexy les filles, genre hyper sexy. À la base, j'ai pris deux tenues de Saint-Valentin. J'ai pris ça et une autre tenue que je vais vous montrer. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très sexy. Il faut vraiment le mettre genre pour une occasion. Genre, tu peux pas aller en soirée avec ça. Genre. Ou soit si tu le mets, c'est dans un autre pays où tu connais personne et tout. Mais bon, bref, je trouve que c'est super sexy. C'est joli. Mais voilà, il faut oser. Mais c'est très beau. Et la qualité, elle est très bien. C'est vraiment de la bonne qualité. Pour ça, il n'y a rien à dire. Je conseille, c'est vraiment de la bonne qualité. Voici ma deuxième tenue de Saint-Valentin. Alors je préfère largement cette tenue, elle est beaucoup plus jolie et je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Ouais, en plus ça fait short façon, tout ça va. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je me sens plus à l'aise avec. L'autre, tu sais, un pas, tout tournait et tout. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ça, pour ça, je valide. J'ai pris en taille M par contre. Ça, j'y prends M parce que je savais que la jupe elle allait venir très courte. Donc je me suis dit autant prendre du M, on sait jamais, une taille au-dessus pour pas que ça fasse très court, limite genre ras-le-cul, tu vois. Donc ouais, elle est bien, je kiffe, y'a rien à dire. C'est un top. Alors la troisième tenue, incroyable, ça fait typique vacances. C'est long, c'est sexy, mais pas vulgaire je trouve. Du fait que ça soit long, le dos il est incroyable aussi. Non, franchement j'aime trop, il y a une petite fente, je sais pas si vous voyez. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout le petit détail ici, là, comme ça. Couleur saumon. Non, j'aime beaucoup. Je valide de ouf. Je l'ai pris en taille S. Voilà. J'ai pris quelques fois de ma taille. Ça, mais c'était un peu stretch. Bah, je me suis dit, je peux me permettre de prendre du S sans que ça fasse trop serré. Prochaine tenue, c'est celle-ci. J'aime bien. Elle existe en plusieurs couleurs, mais moi j'ai préféré la prendre en vert parce que c'est ce qui me tapait à l'œil clairement. Regardez, je vais le mettre là, je sais pas si vous voyez. Assez long comme ça. Le col il est comme ça. Je l'ai prise en taille S. Hein. J'ai pris pile poil ma taille. Comme je l'ai dit, c'est un peu stretch. Donc il y a moyen que ça se. Voilà quoi. C'est un peu extensible. Et la prochaine tenue, enfin le prochain article que je vais vous montrer, c'est un maillot de bain que je ne peux pas essayer, bien évidemment. Donc regardez, imaginez-vous juste le maillot de bain sur moi, voilà. Juste ça. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai pris pour les vacances. Hein. Regardez le dos. Genre. Le dos, ça c'est vraiment quand tu as une piscine privée avec ton homme, hein. Tu peux pas mettre ça comme ça sur une plage là dans le sud ou une plage française ou espagnole, je suis désolée, c'est too much. Mais voilà, le dos il est incroyable, il est comme ça, la culotte elle est comme, oula, le devant il est comme ça. Le haut aussi il est pas mal et carrément c'est l'un des seuls hauts de tous les maillots de bain que j'ai pris, parce que j'ai fait une commande aussi Shein à part. C'est les seuls hauts qui me rendent, parce que là, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai pris comme ça des seins, là, je sais pas d'où ça sort. En tout cas, ça, le haut, il est comme ça. On peut le mettre soit comme ça, ou soit sur les côtés comme ça, directement attaché derrière. Je kiffe. J'ai pris en taille S. Pour ça, prenez votre taille. Mais si le maillot de bain, vous voyez que les anciens sont comme ça, et c'est très fin, prenez une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus même. Prochain article, ça sera ça.
en termes de vêtements, j'ai pris une fourrure. Voilà, elle est hyper chaude. Hein. Et donc, elle tient chaud de ouf. Regardez, je l'ai prise en taille M par contre. Elle est très très chaude. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, je crois que vous voyez bien. Voilà, elle est assez longue. Elle aime ça. Portée. C'est mignon. Moi, j'aime bien. C'est mignon. Et elle tient super chaude. L'avantage au niveau de la longueur, elle est donc des pas doux, voilà, ouais, j'aime bien. Regardez au niveau du toucher, la qualité et tout. Non, franchement, chez là, normalement, les best. Ensuite, on a voulu tester les costumes pour hommes. On voulait voir ce que ça donnait, et franchement, ça va, ça va. Qualité Shein, ça va pour les costumes. C'est vraiment pas mal. Regardez, le bout il est comme ça. C'est juste que le bout il est un peu évasé pour les hommes qui veulent tester des costumes et tout. Le bout il est un peu évasé. C'est pas un costume droit. Mais je pense que c'était comme ça dans le truc. Et au niveau du haut, ça passe comme ça. Il y a des boutons et il est à rayures. Il y a un nom spécial, mais je sais plus c'est quoi. Voilà, c'est à rayures. Donc non. Pour les hommes aussi qui veulent commander des costumes Shein. Franchement, si c'est pas une grande occasion, si c'est pas votre mariage, j'ai juste l'invité, je vous conseille. Genre, vous allez vraiment pas perdre votre argent et c'est un bon investissement, c'est un bon rapport qualité-prix. Et là, tu arrives comme ça, avec un ça, franchement, un full black, une tenue full black, c'est pas mal. Voilà, je me suis pas prise la tête, je le trouve mignon. Quand t'as pas envie de coller ta laisse, tu peux le mettre, ça donne bien. Ensuite, next, passons aux objets, aux gadgets, si vous voulez. Désolée, vu que j'ai les cheveux longs, maintenant j'arrive pas de les presser. Ouh, j'aime trop. Donc c'est une boîte de maquillage, de rangement. Elle est incroyable et elle a beaucoup de place, surtout énormément de place. Moi, c'est la couleur qui me tue. J'aime trop la couleur. Regardez. La place qu'il y a à l'intérieur. Non, juste la place, ok. Il y a de la place ici, ici et encore en dessous. Donc franchement, les filles, c'est un bel investissement. En plus, elle est même pas chère. Hein. Elle est à moins de 30 euros. Surtout avec mon code promo, ça sera encore moins cher. Donc ouais, on valide ça. Incroyable. Tu prends ta petite mallette, tu vas quelque part, tu vas maquiller quelqu'un. Même pour les make-up artistes, les filles. Hein. Pour les make-up artistes, celles qui viennent celles qui viennent commencer leur carrière ou pas. Franchement, je conseille de ouf. Passons au prochain article. Ce sont des fossiles. J'ai commandé 50 fossiles. Ils sont incroyables. Il y a énormément de paires. Il y a plein de mochi et plein de modèles. Des gros, des petits, des moyens, des évasés, des fluffy. Franchement, il y en a plein. Et ça, ça va me faire un stock pour un bon 3 ans limite. Hein. Je pense que je vais le garder au moins 3 ans, ce stock-là de fossiles. Il est trop bien. Là, j'ai mon stock. J'aurais même pu acheter des fossiles pour un petit moment. Et c'est pas cher. C'est Shein. C'est pas cher. Ça coûte dans moins de 40 euros, en tout cas, pour 50 fossiles. Beaucoup moins. Ensuite, j'ai pris des caméras. J'en ai pris plusieurs parce que je voulais tester ce que ça donne et tout. Voilà, c'est pas des caméras Nikon non plus, mais ça fait l'affaire. Voilà. Si vous n'êtes pas très exigeant niveau photo, ouais, je peux vous conseiller ça. Et tout. Si vous êtes très amateur, vous voulez apprendre, tester vos capacités et tout, il y a cette caméra-là que j'ai pris. Et j'ai pris une autre, c'est façon réflexe. Mais ce n'est pas un réflexe, c'est façon réflexe comme je dis. Donc voilà, ça donne ça. Ça. Voilà, ça donne comme ça en fait. Il y a la Wi-Fi, il y a beaucoup de fonctions pour fonctionner Wi-Fi, carte mémoire. Et c'est pas venu tout seul. Ça vient avec voilà, une carte mémoire et un petit truc en fait pour mettre à l'intérieur pour avoir directement les photos au lieu d'aller acheter ça sur le côté. La prochaine caméra que je vais vous montrer, donc c'est celle-ci, c'est une sorte de caméscope. Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal pour filmer des souvenirs et tout. Ça, c'est vraiment une caméra. Les autres, c'est plus des appareils photo même. Ça, c'est une caméra en question, c'est pour les vidéos, vous voyez. C'est pour les vidéos, les autres, c'est plus appareil photo. Voilà. C'est plus appareil photo. En plus, maintenant, c'est dur, les appareils photo sur le marché, là, les filles, franchement, et les gars. C'est trop compliqué d'avoir des caméras, hein, des bonnes caméras et tout. Ils ont augmenté tous les prix. Donc, moi, j'ai fait mon stock. On sait jamais.
Ensuite, j'ai pris une smartwatch. C'est une sorte de Apple Watch. Elle se trouve là. Regardez. Elle est pas mal. C'est pas une Apple Watch, mais c'est une smartwatch. Et elle est pas mal. Elle est pas mal, regardez. Elle est comme ça. Ça, ça dépanne. Tu la mets sur ton poignet. La petite pile ici, tu charges. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime trop. Je vous dis tout le temps, les filles, hein. J'aime trop tester les gadgets Shein. J'aime trop. En fait, je veux voir ce qu'ils proposent. Je veux voir, genre, pourquoi on est tout le temps obligé d'acheter, genre, des trucs hyper chers. Sachant qu'on va pas les porter tous les jours. Genre la smartwatch là, je sais très bien que vas-y, je l'aurai pas tout le temps au poignet. Et quand tu vas courir comme ça, ça fait toujours des paniers. Et c'est surtout que les filles, ça vous coûte presque rien. Genre, pour ce qu'ils proposent, ça coûte rien du tout. Mais vraiment rien. Ensuite, j'ai pris une caméra. Caméra de surveillance pour Bébé Jada. J'ai pris pour ce bébé là. Parce que je la laisse souvent toute seule à la maison. Et quand elle est toute seule, bah, j'ai pas l'œil sur elle en fait. Donc voilà, j'ai pris cette caméra pour pas très cher. Elle peut se connecter à mon téléphone aussi, ce qui est trop bien. Parce qu'elle peut se connecter à mon téléphone, la batterie est dure. Il y a de la lumière, il y a la wifi. Donc voilà, j'ai hâte de la tester. Et je vais vous dire ça, mais en tout cas à vue d'œil, elle est très bien. Elle est très 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 bien à vue d'œil. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il propose. Moi j'ai kiffé, hein. J'ai juste hâte de l'installer. J'attendais de vous la montrer avant de vous l'installer. En tout cas, elle donne ça. Elle a l'air bien. Il y a un grand angle aussi, donc c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Passons à cela. Donc c'est un aspirateur que j'ai commandé pour ma voiture. Ça m'évite d'aller au Karcher parce que relou d'aller tout le temps au Karcher, et cet aspirateur là il est grave compétent et tout. En plus de ça, il est lourd, il est super bien. C'est pour les sièges de la voiture, ça aspire tout, c'est incroyable. Ça, je conseille de ouf, les filles, c'est la base à avoir dans sa voiture. Ça vous coûte rien dans un coffre, ça prend même pas de place, c'est petit. Ensuite, passons à cela. C'est un panier à linge. Moi, je suis trop nulle niveau construction, du coup, je vais demander à mon chéri pour qu'il me le construise. Parce que je suis trop nulle en construction. Mais en tout cas, c'est un panier à linge. Vous connaissez Shein, ils proposent ça pour pas cher. Il y a même des paniers à linge pour moins 3 euros, c'est la base. Désolée, hein, j'ai beaucoup le mot la base dans ma bouche. Parce que Shein, c'est vraiment la base en fait. Shein, ça me sauve la vie. Clairement, ça me sauve la vie. Et là, c'est un autre panier à linge. C'est pour mettre les vêtements sales. Voilà, pour poser ça dans la salle de bain, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Ça m'a pas coûté cher. Il y a beaucoup de place parce qu'en fait, il y a 3 étages. On peut faire 1, 2, 3. Donc il s'agrandit en fait. Il s'agrandit vraiment. Il est super bien. Et voyons voir le dernier article. C'est une tablette que j'ai prise. Une tablette pour adulte, hein, pas une tablette pour enfant. Je vais vous l'ouvrir. Que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Enfin, avant-dernier plutôt. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Elle a été livrée avec son chargeur et ses accessoires, les filles. Ne vous inquiétez pas. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Il y a haut de gamme aussi. Et moi, j'ai voulu tester cette gamme-là. Elle a coûté genre 80 euros, la tablette. Ça dépanne, il y a la caméra, on peut mettre une carte noire. La batterie, elle tient bien. C'est vraiment une petite tablette, histoire de dépanner, tu vois. Histoire d'avoir un petit truc. Au lieu d'avoir un ordinateur ou quoi, tu veux avoir... tu regardes les films sur le grand écran. Tu regardes sur ta tablette. Moi, je trouve que c'est plus pratique de regarder sur une petite tablette comme ça que de regarder sur son téléphone. Parfois, je préfère faire la part des choses entre eux. Le travail, genre différencier le travail, ce qui est mon téléphone, et mes hobbies, genre mes activités. Alors le dernier, la pépite, c'est cela. C'est ça. Faites juste attention au chargeur parce qu'il y a plusieurs embouts en fait.
et vous pouvez vite vous tromper, mais en tout cas au niveau de la musique c'est archi bien, la sonorité elle est très bien, regardez les chargeurs ils sont ici, la sonorité elle est archi bien, franchement c'est l'équivalent d'une Bose, j'aime trop, tu peux la mettre comme ça, oh là, je pensais que c'était le choc. Tu peux la mettre comme ça au poignet, la tenir, format voyage et tout, c'est trop bien. Elle est lourde, mais pas si lourde que ça non plus, voilà. Ça se supporte, j'aime trop. Ça, franchement, c'est le meilleur article que j'ai reçu là, dans tout le truc. Mes deux meilleurs, c'est ça. Et ça. Tout ce qui est transportable. Ouais, non, franchement, je kiffe. En plus, quand on entend la musique, ça fait bien boum, 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 boum. C'est incroyable. Investissez un tout petit peu, mais genre un tout petit peu, c'est pas, ça va pas vous ruiner non plus, hein. C'est moins de 70€, hein, la grosse bosse comme ça, enfin, façon bosse. Donc voilà mes bébés, j'ai fini mon haul Shein, j'espère que je vous ai donné des petites pépites sur cette vidéo, que vous allez plus apprendre des choses au niveau de certains articles. Et voilà, hein, les filles, voilà. Vous me dites en commentaire si vous avez des questions par rapport à certains articles Shein. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez voir en plus sur ma chaîne. Là, en ce moment, je vais plus faire des hauls parce que j'aime trop les hauls. J'aime trop vous partager, j'aime trop vous montrer ce que je prends sur les sites internet et tout. Et je vous laisse un petit code promo en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et j'ai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Là, je réponds à tous les messages, j'essaie de répondre à tout le monde. Et je fais un événement le 9 mars, donc vous êtes invités, vous y êtes conviés. Je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez booker votre place pour mon showroom privé. Donc je vendrai tous mes vêtements, il y aura toutes mes affaires et tout, que je ne porte plus ou que je n'ai jamais porté. Il y aura des stands, il y aura de la nourriture, il y aura de la bonne ambiance, il y aura un DJ, de la musique. Il y aura tout, on va passer un bon moment. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous mes bébés.